Moi, c'est Richard Fonseca, je suis donc un enseignant au lycée Pierre Boulanger. Johnny Bourou, je suis enseignant en conduite routière au lycée Pierre Boulanger. Nous avons deux formations de conducteurs routiers de marchandises. On a un bac pro conducteur transport routier de marchandises. En complément de la formation bac pro CTRM, nous avons aussi une formation CAP CRM sur un an. Cette formation est destinée à des élèves qui ont déjà 18 ans, qui ont le permis B, qui ont déjà un diplôme, un CAP, un bac ou un BTS. Du coup, cette formation va être axée sur le professionnel. Donc du coup, pendant cette année, on va former des élèves au permis C, au permis CE. Bien entendu, il y aura toute la partie connaissance du véhicule, exploitation des transports et du code. C'est une formation qui est axée sur le professionnel pendant un an. Donc qui est assez complète, et donc c'est vrai que le fait que les élèves ont déjà un diplôme, donc c'est les dispenses de l'enseignement général. Aujourd'hui j'enseigne la conduite routière, mais aussi donc le C4A. C4A, c'est conducteur agent d'accueil en autocar et en autobus. J'interviens sur la partie exploitation de transport, où là on va apprendre aux élèves toute la réglementation sociale, les temps de conduite, les temps de repos bien sûr. Et on a aussi une partie connaissance véhicule, il y a aussi une partie conduite bien sûr, conduite sur route, sur les routes sinueuses, les routes en montagne, enfin également beaucoup la conduite en agglomération puisque les voyageurs sont censés travailler beaucoup en agglomération puisqu'on a des élèves qui vont partir sur l'urbain, sur l'interurbain. On a des périodes de conduite journalière qui partent de 8h du matin à 17h30, donc on part sur 8h de conduite, ce qui nous permet d'avoir une large plage horaire. Conducteur routier, c'est pas seulement des permis, mais c'est aussi une formation professionnelle en lien avec toute la partie réglementaire. On a donc des cours d'exploitation du transport, et cette matière participe à former les élèves sur toute la partie technique, technologique en lien avec le transport. C'est-à-dire savoir calculer une charge utile, savoir faire un plan de chargement, savoir bâcher, débâcher, charger à l'aide d'un transpalette, d'un chariot élévateur. Vous avez organisé sa tournée, organisé son activité, organisé son temps. On part sur de septembre jusqu'en juin. Les élèves conduisent quasiment 2 heures par semaine, donc sur 30 semaines, ce qui fait un ratio à peu près de 60-70 heures de conduite pure, plus les manœuvres. Ce qui veut dire que quand les élèves partiront en juin, on peut dire qu'on les livre clairement pour l'entreprise. Ils sont préparés en tout cas à conduire sur tout type de route, agglomération, route sinueuse, montagne, et par toutes conditions météorologiques possibles.